Good morgen, allez, Idan, tu seras aujourd'hui le Nishmat David Ben Fortuna Mazal Fridna et Lucienne Bat Reina. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Nedarim, Perek Yud Mishnah Chet Afarat Nedarim, Kol Ayom, Yesh Badabar Lehakel ou Lehachmir Keitzad. Nadra Beleile Shabbat, Yafer Beleile Shabbat ou Vyom Shabbat, Ad Shetechach. Nadraim Chashecha, Mefer Ad Shelot Echach. On continue, bien sûr, avec le sujet du mari qui a le droit d'annuler les nédarim de sa femme. On expliquera dès le prochain pérec quel type de nédarim, mais pour le moment, on conclut d'abord sur la manière de le faire. Afarat nédarim, kol ayom, le droit qu'a le mari d'annuler les nédarim de sa femme, ça dure un jour jusqu'à la fin de la journée. Je précise, en fait, parce qu'il y a deux psukim dans la Torah. Un psukim dit que le mari il pourra étudier, annuler le neder, Beyom Shom'o, le jour où il l'entend. Et un autre psuk qui me dit qu'il pourra annuler Miyom Eliyom, d'un jour à l'autre. De manière générale, quand on dit, quand vous voyez un truc dans la Torah qui nous dit Yom ou Yomaim, Yom Miyom Eliyom, ça veut dire en théorie 24 heures. Un jour qui compte comme deux jours. 24 heures. Parce qu'en fait, il va manger un peu d'un jour, un jour de. Un jour, un peu de la première journée, c'est quand je m'explique mieux. Il y a, quand on dit un jour, ça veut dire quoi un jour? Ça veut dire 24 heures sur la montre ou ça veut dire le dimanche, le lundi, le mercredi? Ça a deux possibilités. Lorsque la Torah utilise une expression telle que miyom eliyom, alors ça veut dire en théorie 24 heures, d'un jour sur l'autre, d'un instant sur l'autre. Il est en ce moment 11h50, demain, même heure, 11h50. Ça, c'est ce que ça veut dire miyom eliyom. Mais lorsque tu me dis Beyom Shom'o, ça veut dire le jour où tu l'entends. Donc on est le Yom Rishon, donc c'est durant le Yom Rishon. Donc si tu l'entends à 3h de l'après-midi, le Yom Rishon, bah, il te reste encore 6h jusqu'à la tombée de la nuit pour annuler, puis après c'est fini, d'accord? Là, la Torah a dit les deux expressions, en fait, pour nous apprendre que ça dure durant toute la journée. Ça peut parfois durer 24 heures, si toutefois elle prononce le Neder à 8h30 le soir après la Shkia, tu as jusqu'au lendemain soir, la Shkia du lendemain pour l'annuler le Neder. La Torah a utilisé les deux expressions, justement, parce que si elle avait juste dit Beyom Shomo, j'aurais dit le jour où tu entends, j'aurais dit ça implique le jour, que le lever du jour, mais la nuit tu n'as pas le droit d'annuler. La Torah a insisté, elle m'a dit non, Miyom Eliyom, 24 heures, mais la Torah aussi elle ne m'a dit pas que Miyom Eliyom, elle m'a dit c'est Yom Shomo, que durant la journée. Donc en fait, tu restes avec ça, que tu peux avoir jusqu'à 24 heures, mais tout dans la même journée. Yesh Badavar laquelle l'Achmir, c'est venu maintenant pour prendre à la fois une Kula et une Khumra en même temps, pour me préciser que Keitzad, on va prendre un exemple. On va parler par exemple avec Nadra Beleile Shabbat. Elle a prononcé le Neder le soir du Shabbat. À l'entrée de Shabbat, Madame prononce le Neder qu'elle ne va plus boire de coca. Le mari lui dit, écoute-moi, j'annule ton Neder. Il peut le faire tout de suite, il peut ne rien lui dire, elle n'a pas le droit de boire du coca pendant tout le Shabbat. Et le lendemain, à Soudash Légit, juste avant la Shkia, il lui dit, allez, Moufar l'Arche, t'annule le Neder, t'as le droit de boire du coca maintenant. C'est bon. Donc, Nadra Belleile Shabbat, c'est prononcer le Neder pendant le soir du Shabbat. Alors, Yafer Belleile Shabbat, il peut annuler durant le soir du Shabbat, mais aussi, ou Vyom HaShabbat, et même durant la journée du Shabbat, Hachetershar, jusqu'à que la nuit tombe. Qu'il devienne trop cher dans la nuit, Hachetershar. Par contre, Im Nadra, Im Prashira, c'est la prononcer le Neder avec la tombée de la nuit. Il lui reste maintenant 2 minutes jusqu'à la tombée de la nuit pour annuler. Et sinon, mais faire Hachelo Terchar, il pourrait annuler tant que la nuit n'est pas concrètement tombée. Sheim Chashcha Velo Efer, par contre, si jamais la nuit est tombée et qu'il n'y a pas eu le temps d'annuler le Neder, Eno Yachol Afer, il ne pourra plus jamais annuler le Neder, c'est trop tard. J'explique un petit peu mieux un point important, deux, trois petites précisions, parce qu'il y a des longs bartenders en fait qui fait une synthèse de plein de choses qui sont explicitées dans la Gemara. Vous avez compris déjà tout le principe. Mais il faut bien préciser la différence, on a déjà évoqué, on va quand même mieux le marquer, la différence entre le Chacham Shem Matir et un Neder et le mari qui est Mefer un Neder. Il faut comprendre une chose importante. Lorsqu'on va voir un Chacham, et on lui dit que j'ai prononcé un Neder, mais je le regrette. J'avais mal considéré les données, et du coup, je me retrouve maintenant avec un Neder que j'ai prononcé, que je n'avais pas calculé, que c'était j'avais mal estimé les données, pour prononcer mon neder, si j'avais pris connaissance, si j'avais bien réalisé la chose, je n'aurais pas prononcé un tel neder. Donc le Chacham, il va annuler le neder. Mais le Chacham, il n'annule pas le neder, en fait. Il déracine le neder. Il matire le neder.
il va faire que la Torah a donné le pouvoir au Bet Din, au Talmud Chacham, de dire comme ça. Écoute-moi, vu les circonstances, alors j'atteste que ce que tu as prononcé, tu l'as prononcé sans avoir considéré les données, donc ce que tu as prononcé est déraciné. Il est moutard. Ton neder, il est moutard. Puisque le neder, le Chacham, il prononce, depuis le moment où le neder, il a été prononcé, qu'il a été prononcé par erreur, c'est-à-dire que le Chacham, il n'est pas limité dans le temps, il peut annuler un neder même après 5 ans, même après 30 ans, même s'il veut. Si c'est un neder qui dure pendant 30 ans, ça existe. Quelqu'un qui a pris sur lui de ne plus boire d'alcool, ou je sais pas. Et après, il va, finalement, après 30 ans, il a une bonne raison que s'il avait pris en considération depuis 30 ans auparavant, il n'aurait pas prononcé ce neder. Alors, il pourra annuler le neder. Chez le Chacham. Mais la affara de la femme, le mari qui annule le néder de la femme, c'est pas qu'il le déracine, c'est qu'il l'interrompt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la femme, elle prononce un néder à 8h du matin, qu'elle ne boit pas de coca, le mari à 3h de l'après-midi, il annule le néder, il coupe le néder à 3h de l'après-midi. Mais de 8h à 3h, la femme, elle n'avait pas le droit de boire du coca, elle avait prononcé un néder qui fonctionnait, et qui était en vigueur. Le mari n'a pas déraciné. Et puisque le mari ne déracine pas, mais juste il interrompt le néder, alors la Torah elle a dit, écoute-moi, tu as une journée pour le faire, dans la même journée où tu l'entends, après tu peux plus le faire. Ça c'est d'abord bien marqué, c'est quoi le Tarat Nedarim et Afarat Nedarim, ne pas les embrouiller, pire que ça. Si le mari va permettre le neder de sa femme en disant Moutar Lach, ça ne marche pas. Autant que si le Chacham il va permettre le neder de quelqu'un en disant Moufar Lach, ton neder est interrompu, ça ne marchera pas non plus. Chacun il a son mode de procédé. Le mari doit être méfaire, rendre que ça il a interrompu. Et le Chacham, il est matir, il va, comme matir dans le sens qu'il va dénouer, il va tout simplement le déraciner depuis sa source. Et donc ils ne peuvent pas inverser les termes. La Torah maintenant, la Mishnah a pris un exemple de Leilé Shabbat, pour m'apprendre au passage quelque chose de très important, pour comprendre que le mari a la possibilité d'annuler les nédarim de sa femme, même pendant Shabbat. Alors que le Chacham n'a pas la possibilité d'annuler tous les nédarim pendant Shabbat. Le Chacham, si je veux avoir le Chacham avec un néder, mais qui ne concerne pas le Shabbat, le Chacham va me dire, reviens me voir demain, parce que je ne peux pas pendant Shabbat permettre un neder. Si jamais j'ai fait un neder, ne pas avoir du coca, et puis après je me dis, mais là, je réalise que tout le monde est que Shabbat, il est parti, et puis j'avais mal considéré qu'avec la chaleur, un coca frais, il n'y a pas de... Donc le Chacham, il va pouvoir me permettre le neder, parce que je permets un neder du Shabbat. Mais si jamais je lui dis, ouais, mais je m'étais interdit, en fait, que j'allais plus partir, imagine ce que ça peut être. Je dis, mais j'ai pas réalisé qu'en fait mardi je vais devoir partir en voiture là-bas, et à cause de ça j'avais mal conseillé le neder. Le Chacham va me dire, je peux pas te permettre le neder pendant Shabbat, il n'a pas de conséquences pour le Shabbat, tu n'as pas le droit de te le permettre pendant Shabbat. Alors que le mari a le droit d'annuler tout le nederim de sa femme pendant Shabbat, c'est normal, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a que 24 heures pour le faire. Il n'a même pas 24 heures, elle a la même journée. Donc s'il entend pendant Shabbat, il doit s'occuper tout de suite de l'annuler, il pourra annuler tout le nederim qu'il veut. Un autre point important qui est rapporté aussi dans le Barthénora, c'est... on a dit les anciens en fait. Chacun il doit utiliser avec sa terminologie, et aussi on a expliqué l'histoire du Shabbat. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.